Il était une fois à Paris une salle singulière située à l'angle de la rue Drouot et du boulevard Montmartre. Elle n'abrite plus aujourd'hui que des bureaux et un fast-food, après avoir réuni la jeunesse musicale des années 60 et 70 sous le nom de Golf Drouot. Les Pirates de Danny Logan ont fait partie des premiers rockers français nés sur la scène du Golf Drouot. C'était la première génération avec d'abord les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages qui eux n'étaient pas toujours là parce qu'ils venaient de Nice, et les Pirates qui étaient véritablement là. Bon, j'ai été un des premiers avec Johnny, avec Eddie Mitchell, même avant qu'ils deviennent des groupes. À la tête de l'établissement, un ancien barman, Henri Leproux, attire les jeunes qui y découvrent le rock américain. Les jeunes du quartier sont venus très nombreux parce que nous étions le premier club à diffuser de la musique de rock'n'roll, les premiers Bill Haley, les premiers Elvis Presley. C'était une musique qui n'était pas toute très connue en France à cette époque-là, on était comme ça un groupe, et c'est le seul endroit qui était ouvert le samedi et le dimanche. En devenant leur grand frère, Henri Leproux aidera beaucoup de ces jeunes à réaliser leurs rêves de musique. Après Johnny Hallyday, le plus emblématique, ils seront plus de 6000 artistes à écrire l'histoire du rock français en ce club incontournable. C'était un club vraiment. Ailleurs, c'était pas. On ne pouvait pas appeler ça club. On pouvait aller, appeler ça peut-être boîte de nuit, j'en sais rien. Mais en tout cas, pas le golf. Le golf, c'était un véritable rendez-vous. C'était un rendez-vous de copains et d'amis. Johnny, Eddie, Dutron, Vince Taylor, mais aussi Ange, Téléphone, Star Shooter ou Au Bonheur des Dames, tous se sont succédés pendant plus de 20 ans sur la petite scène mythique du golf Drouot. 1, 2, 3, bien. Sans son euphorie créatrice et malgré sa fermeture, le rock français n'eût évidemment pas été ce qu'il est.